Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique. Et le déroulement est identique à la réalité. Est la clé de la victoire. Vous devez passer à l'action tellement vite que votre ennemi n'a pas le temps de réagir. Assurez-vous que vous tranchez bien d'une artère à l'autre. Soyez déterminé et énergique. Ne lui faites pas de cadeaux. Nous vivions et nous étions entraînés dans le désert pour une seule raison. Retourner en Égypte et renverser le gouvernement. Nous étions prêts à faire face à toutes les difficultés. Pour l'amour d'Allah. Nous n'avions rien d'autre en tête que l'appel de l'islam. Pour nous, il n'y avait que deux choix. Le premier était de mourir et d'aller au paradis. Le second était de vivre en gagnant la bataille. J'étais un excellent tireur et on m'entraînait pour que je devienne un sniper. Quiconque combatte dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Mustapha, ton frère est au paradis. Cette certitude doit te réconforter, mon frère. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Mais vous en êtes inconscient. Salam alaikum, Emir. Wa alaikum assalam. Et qu'Allah vous protège. Comment va l'entraînement, mes frères? Tout va bien, Emir. Qu'Allah soit loué. Asseyez-vous. L'émir nous rendait visite régulièrement. Il venait voir où nous en étions avec l'entraînement. Un soir, il nous fit la lecture d'un article dans un journal du Caire. Il relatait l'arrestation d'un groupe de missionnaires qui étaient accusés d'avoir voulu convertir des musulmans dans un de leurs hôpitaux, en leur proposant des relations sexuelles et de l'argent. Des relations impures. À mort les infidèles! Du cas. Silence! Pour nous tous, c'était une humiliation. C'était le mois du Ramadan. Nous ressentions le besoin de défendre notre Dieu et nos convictions. Tout le monde était furieux. Cet article dans la presse était une autre bonne raison de maudire encore plus les chrétiens. Les chrétiens prétendent que... Nous avons fait le vœu de mettre un terme à l'évangélisation des chrétiens, quel qu'en soit le prix. Grâce à leur Bible, c'est eux qui la possèdent. Ils croient que ce livre révèle la parole de Dieu. Mais l'émir écarta la confrontation militaire. Il proposa une confrontation de logique, qui consisterait à écrire un livre prouvant que la Bible avait été modifiée et ne pouvait donc pas être prise au sérieux. Si on essayait d'écrire un livre prouvant que des changements ont été faits dans leur livre... Et qui pourrait écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui te prend? C'est un simple livre qui te fait peur? Les chrétiens jettent des sorts et font même de la magie avec ce livre. Ma mère en a été témoin. On dit aussi que tous ceux qui lisent ce livre deviennent comme envoûtés. Il est maudit! Je ne peux pas le lire, Emir! Non! Non! Je ne peux pas le faire! Attention, ceci est ma volonté. Si tu crois en Allah, et si tu crois au dernier jour, tu dois faire comme je dis, Khalil! Non, Emir.
C'est impossible. Non, non. Khalil. Non, Émir. Je vous en prie. Trouvez quelqu'un d'autre pour ce travail. C'est une mission très importante. Et avec toi, je sais que ça ira. Tu es le seul capable d'écrire ce livre. J'en suis convaincu. Sans doute. Et vous me demandez de les aimer, de penser comme ces infidèles. Je peux pas. Si vous me dites de tuer les chrétiens d'Égypte, je le ferai avec plaisir. Mais lire ce livre maudit est au-dessus de mes forces. Tu es un grand croyant. J'admire ta foi en Allah. Elle est remarquable, c'est vrai. Mais tu fais erreur en te laissant aveugler par ton grand zèle spirituel. Je le vois bien. Tu ne sais plus discerner le bien du mal. Te rends-tu compte du très grand honneur que l'accomplissement de ce devoir t'apportera, sans parler du respect de tous tes frères? Tu seras le premier à exposer tous les mensonges colportés par les Juifs et les chrétiens. Pour ce travail, tu recevras 500 livres par mois, que je te remettrai moi-même. Nous avons abandonné l'entraînement dans le désert et je suis rentré chez moi. Un mois passa, mais je n'arrivais toujours pas à me mettre au travail. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la série? Cette pauvre femme, oh, figure-toi que son fils vient d'avoir un accident et il est dans le coma. C'est horrible. Pose ça et regarde avec nous, maman. Khalil? Je vous ai dit de pas garder ces programmes hérétiques! Mais c'est pas ce que tu crois! C'est ta sœur! Tu n'y touches pas! Hérétique! Finalement, je pris la décision d'obéir aux ordres de l'émir. Je lui devais obéissance. Alors j'ai commencé à accomplir ma mission. Mais je ne savais vraiment pas par où commencer. En lisant la Torah, j'ai trouvé des contradictions dans certains récits. Mais étant donné que dans le Coran, nous avons aussi ce genre de contradiction, cela n'allait pas m'aider dans mon travail. Si nous disons que ces erreurs rendent la Bible moins crédible, nous devons juger le Coran avec les mêmes critères. Alors j'ai continué de chercher des erreurs plus importantes. Mais je n'en ai trouvé aucune. Ensuite, j'ai lu la Bible en entier. Mais je n'ai pas trouvé le genre d'erreur que je cherchais. Il n'y a pas un seul verset dans le livre des chrétiens qui mentionne la venue du prophète Mohammed ou Ahmed. Je t'ai apporté quelque chose. Je crois que c'est ce qu'il te faut. Tiens. Démontrez la vérité. Dans ces livres, il est fait référence à 26 passages des livres religieux dans lesquels est mentionné le nom du prophète Mohammed. Salut et bénédiction sur lui. Salut et bénédiction sur lui. Ces références apparaissent dans la Torah et les évangiles. Dommage que je ne les ai pas eues avant.
C'était mieux ainsi. Je voulais que tu lises d'abord la Bible en entier. De cette façon, tu la connais et tu peux en discuter. Quand tu publieras tes conclusions, tu seras capable de les expliquer. Khalil, mon fils, ce livre que tu es en train d'écrire n'a rien à voir avec tous les autres livres. On n'a jamais écrit de manière aussi directe sur ce sujet. Si Allah le veut, nous aurons de bons résultats. Si Allah le veut, j'ai pleine confiance en lui. Il nous aidera. Je me mis au travail, avec pour but d'examiner les 26 références inscrites dans les livres que je venais de recevoir. Aucune de ces références ne me permit de prouver quoi que ce soit. Alors j'ai prié. Seigneur, je ne peux pas prouver que la Bible a été modifiée. Et je ne trouve nulle part dans la Bible le nom du prophète Mohammed. Je vis pour qui ? Je vénère qui ? Et j'ai pensé, si la Bible est le vrai livre de Dieu, alors quel est l'avenir du Coran ? Ces livres ne peuvent pas dire la vérité tous les deux, puisque leurs enseignements vont dans des directions différentes. J'ai donc commencé à écrire un protocole de recherche que j'ai intitulé « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» À la fin, j'avais écrit entre 200 et 300 pages. Un jour, l'émir me fit une visite surprise. Je vous prie d'attendre Khalil ici. Il va être de retour dans un instant. Je vous remercie. Gloire à Allah. Il a enfin commencé l'écriture du livre. Que t'est-il arrivé, Khalil ? Qu'est-ce que tu écris ? Tu vas pas me dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu ? Si tu ne me crois pas, lis-le toi-même, lis ! Tu ne crois tout de même pas que mes conclusions me rendent heureux ? Plusieurs fois, je t'ai dit de donner ce travail à un autre homme que moi. Chaque fois, tu m'as dit que Allah m'avait choisi. C'est toi le responsable. Tu es le seul à blâmer. Nous t'avons donné beaucoup d'argent. Afin que tu dévoiles tous les mensonges des chrétiens, les infidèles! Non, 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 non. Tu as dit que je devais trouver des preuves en lisant leurs livres. Et je n'ai lu que la vérité. Et ce n'est pas tout. Le Coran lui-même le dit. Aïsaoul Messie, c'est Dieu. Tais-toi! Tais-toi! Je t'interdis de dire un mot de plus. C'est ignoble! Le Coran dit aussi. Infidèle! Infidèle! Il reviendra sur des nuages. Il sera le juge de tout. Tais-toi ! La sourate de Al-Maïda dit « Aïsa a le pouvoir de créer toute chose. » Tais-toi ! La sourate de Ali Imran dit qu'Aïsa a le pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les morts. Aïsa reviendra sur les nuages. Et il jugera les nations le dernier jour. Je vais te tuer, infidèle ! Infidèle, je vais te tuer! Et
Écoute-moi. À partir de... d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. Je préviendrai le groupe que tu as abandonné notre foi. Et si un jour tu veux montrer ces saletés, je te préviens, je te tuerai de mes propres mains. Infidèle! Khalil! Khalil! Mais je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous ont maudit. Faites le bien envers ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui profitent de vous et vous persécutent. Ne résistez pas à une personne méchante, et si elle vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi la joue gauche. Combattez les infidèles, car ils n'ont pas la foi. Combattez les polythéistes de la même manière qu'ils vous combattent. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez, combattez, combattez. Même s'ils sont des pères, des fils et des maris, tuez-les. C'est bon de te voir, j'ai l'air en forme. Joue une musique plus gaie. Allô, Timothée ? C'est Khalil. Non, ça va. J'avais envie de parler avec toi. Bonjour, comment ça va ? Un jour, j'ai téléphoné à un collègue de bureau qui était chrétien. Et celui-là ? Ouais, ça va toujours. T'as pas envie d'essayer ? Si tu veux. J'espérais qu'il pourrait me parler des évangiles, mais il prit peur et raccrocha. Je voudrais que tu m'en parles, c'est tout. Puis je découvris avec stupéfaction qu'on m'avait volé ma mallette, qui contenait ma carte d'identité et ma Bible. Vous avez vu ma mallette ? Quelqu'un a vu une mallette ? Une mallette ? Oui, vous ne l'avez pas vue. Je l'avais posée là. Non, j'ai rien vu. C'était si important. Oui, il y avait ma carte d'identité et ma Bible. Hé, hey, revenez ! Revenez ! Vous me devez une communication ! Faut payer ! Dieu, entends ma prière. Montre-moi le chemin. C'est tout ce que je veux et toujours voulu. Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur. Je t'aime depuis mon enfance. J'ai mis ma vie entre tes mains. Je suis confus. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es un Dieu. Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens ? Si tu es le Dieu des musulmans, fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam. Et si tu es le Dieu des chrétiens, fais que dans mon esprit vienne la lumière. Montre-moi la vérité. Je t'en supplie, Dieu. Cette nuit-là, je dormis profondément, comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie. Quand l'aube commença à pointer, je fis un rêve. Tu as toujours des doutes à mon sujet. Qui es-tu ? Je suis celui que tu cherches. Je ne m'en souviens pas. Tu lis le livre ? Oui, je l'aime beaucoup. Oui, je le sais. Je ne l'ai plus. On me l'a volé. Le livre ne peut jamais être perdu. Lève-toi et ouvre ton armoire. C'est là qu'il se trouve.
Galil. Mère, tu dois me pardonner. Je croyais suivre les préceptes de la vraie foi. C'est pour ça que je t'ai traité aussi durement. J'étais ignorant. Pardon, je veux te baiser les pieds. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu m'a guidé vers la vérité. Maintenant, le Dieu que je connais n'est pas le Dieu qui me guidait avant. Mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mère. Et il m'enseigne de t'aimer et de t'obéir. Quel est ce Dieu, Khalil? Il est le vrai Dieu, qui a été révélé en Christ, ou Isa, comme on dit dans le Coran. Pas si fort, parce qu'ils croiront que t'es devenu cinglé. D'accord, je vais faire comme tu dis. Mais est-ce que tu me crois? Pourquoi je ne te croirais pas? Tu n'as jamais été aussi gentil. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont foi en sa bonté. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. Sois en paix. Mon cœur avait changé. Il avait été transformé par l'amour. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis promené jusqu'au matin. Tout ce que je voyais était magnifique. J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais. J'avais envie de leur dire que je les aimais. Même les chrétiens, et eux, me connaissaient comme un homme violent et fanatique. Bonjour, ça va? Bonjour, Georges. C'est moi, Khalil. On n'est pas encore ouvert. Ne crains rien, c'est pas moi. Encore ouvert. Je suis venu te parler. Je viens c'est pas encore ton ouvert. Pardon. Je t'en supplie. On pourrait pas en parler plus tard? J'ai changé. Je le vois. Je ne suis plus le même. Avant, j'en voulais à tous les chrétiens. Je te demande de me pardonner. Pardonner? Car tu as changé? Oui, j'ai changé. Je te demande ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai changé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu le sauras. Laisse-moi te regarder. Que t'est-il arrivé? J'ai changé, s'il te plaît. Approche. Pardonne-moi. Bien, oui, je te pardonne. Pardon. Entre. Je te remercie. Je t'accorde mon pardon. À partir de ce jour, j'ai réellement commencé à changer. Ce qui vivait dans mon entourage, comme ceux avec qui je travaillais, tous voyaient le changement qui s'était produit en moi. J'avais été un homme odieux, irascible. J'avais mis le feu aux églises et j'avais pillé des boutiques. J'avais commis des actes d'une extrême violence. Mais Christ avait changé ma vie. Quand je me suis mis à agir selon les écritures de la Bible, je suis devenu une personne aimante. Est en Christ et la mort est un gain. Dans le passé, la mort était un fantôme effrayant et laid. Mais aujourd'hui, la mort ne commande plus. Je suis maintenant en Christ et toute chose est nouvelle. Est-ce que le léopard peut changer ses taches? Le lion peut-il vivre en paix avec l'agneau? Un homme dévoré par la haine et la lutte farouche contre ses ennemis peut-il devenir un homme de paix? Dans le cas de Khalil, toutes ces questions ne lui ont jamais traversé l'esprit. Jusqu'à sa rencontre avec le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible d'un point de vue humain? C'est ce que vous vous dites? Oui, mais avec Dieu, toute chose est possible. Cela me rappelle un homme, appelé Saül. Comme Khalil, il était grossier, violent, mais très instruit. Il prit la décision de tuer les chrétiens de sa région. Il participa à l'assassinat de plusieurs d'entre eux jusqu'au moment où il comprit qu'il ne luttait pas contre les hommes, mais contre Dieu. Dieu mit littéralement Saül à genoux. C'est dans cette position, humble et prostrée, que cet homme fier a crié son désespoir. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a répondu « Je suis Jésus. Et quand tu te bats contre mon Église, tu te bats contre moi. » De nos jours,
On se souvient de cet homme sous le nom de Paul, l'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament dans la Bible. Qu'est-ce qui changea Saül? Qu'est-ce qui changea Khalil? Pour les deux hommes, c'était le même pouvoir, le pouvoir de l'amour. C'est de ce pouvoir que je veux vous parler aujourd'hui, car il n'y en a pas de plus grand. Dieu est amour, c'est ce qu'enseigne la Bible. Dieu est tout-puissant. Il connaît toutes choses et en outre, il est présent partout. Mais en essence, Dieu est amour. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, mais au contraire, il veut que tous les hommes se repentent et connaissent la vérité. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions avec lui au ciel pour toujours. Tout ce qu'il demande, c'est que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous voici arrivés au point important. Écoutez avec attention. Khalil a eu l'expérience particulière de voir Jésus dans un rêve. Vous croyez peut-être que vous devez aussi le voir en rêve pour être sauvé. Ce n'est pas le cas. Le salut est un cadeau de Dieu pour tout le monde. La seule demande venant de Dieu est que nous ayons la foi. Même la foi est un cadeau de Dieu. Que pourrions-nous attendre d'autre que de l'amour d'un Dieu d'amour? Aimeriez-vous recevoir le cadeau de la vie éternelle? Aimeriez-vous être pardonné de vos fautes et aimeriez-vous devenir un membre de la famille de Dieu? Le Dieu d'amour vous écoute, il ne repoussera personne venant à lui en toute sincérité. Quoi que vous ayez fait ou pas fait, Dieu désire vous amener jusqu'à lui. Il est le Dieu d'amour et son amour parfait absout nos péchés, peu importe ce que nous avons fait. Priez avec moi, prions. Dieu, tu sais combien je t'aime. Mon Dieu d'amour, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Compte-moi parmi ceux qui t'acceptent comme leur sauveur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Dieu, pour le précieux sang de Jésus versé pour nous sur la croix. Amen. Frères et sœurs, si vous avez prié avec moi, soyez certains que Dieu est dans votre vie et que vous êtes parmi ceux qui sont sauvés. Jésus sera la fontaine de votre vie. Amen.